Que savez-vous exactement sur Nenkinanka? N'oublie jamais que tu deviendras riche et puissant grâce à son pouvoir. Nenkinanka, c'est un coffret d'or et de pierres précieuses que le jeune roi a gracieusement offert à mon pays. Nous avons chacun des motivations personnelles dans cette affaire. Notre maison va être saisie. Comment ça, saisie? On avait commencé un excellent boulot, toi et moi. Mais à cause de tes scrupules à la loi, tu as tout foutu en l'air. Alors, rebelote. Les plans du musée en 3D. L'opération doit se faire la nuit indiquée. Mais l'argent. Courant off. Code de sécurité désactivé. À vous, Nenkinanka. Lorsque Nenkinanka reviendra en terre africaine, il doit être respecté. La mission, je l'accepte. Il est allé en personne accueillir le livreur. Ce type est un levrier de la pire espèce. Nenkinanka a été volé dès son arrivée à Dakar. Comment? Tu vas entendre la vérité. Volé? Il y a un traître parmi nous. Mais va mourir. Ton frère est trop brûlé pour survivre. À la fin de ton veuvage, je vais te prendre comme seconde épouse. Cette mallette, il faudra la trouver avant la date fatidique. Nenkinanka est tout ce que le chemin de votre imaginaire ne peut entreprendre. On est en train d'aller sur les routes des légendes africaines. Et dépend pourquoi. Tu vas me trouver sur ton chemin, Racine. Je vais prendre un avocat qui va se donner le plaisir de détruire ta vie. En parlant de motivation, je connais la mienne. Quelle est la tienne? L'amour nous voit sans issue. Les légendes africaines ne sont pas des légendes urbaines.